vas-tu? Ça va. Ça va bien, là? Oh. La bande, ça plaisante plus. La table, on peut la mettre là, puis on discute là. Je crois qu'on a une table. Avec un. Petit massage du dos, hein. Et lombaires et les épaules, là. Ouais, en haut, ouais. Voilà. Oh là, il y a de la contracture, là, dans les trapèzes. Ben oui, on fait trop de bref. Salut Jean-Loup, ciao. C'est mon copain Jean-Loup Bigot qui vous souhaite le bonjour à tout le monde. Il est plein de peau, le Vigenère. Descends avec. On est venu pour faire le point maintenant à J-15 du départ pour la Chine. On est venu faire le point sur la santé de nos cavaliers, voilà, pour leur donner les derniers conseils et puis. Ceux qui avaient besoin, ben, ils sont passés entre mes mains, j'aurais prodigué quelques soins. Voilà, d'ailleurs, je vois un patient qui arrive, là, qui fait ses étirements. Peut-être pas exactement comme je lui ai dit, mais bon, voilà, il les fait. Et puis aussi pour voir un petit peu tous leurs petits problèmes de pathologie générale, les niveaux de tension aussi qu'il peut y avoir autour d'eux, tension intellectuelle, pour des motifs divers et variés. Essayer de cadrer leur niveau d'énergie et puis de les aider dans tous ces domaines-là. Tu serres un peu les coudes en avant, serre les coudes, voilà. Serre les coudes, ouais, c'est bon, et tu te laisses descendre vers moi, allez. Tu laisses. Ah, oh, purée. Une, deux, trois, quatre. T'as entendu? Bah oui. Super, Jean-Marc. C'est un peu structurel, un peu à la hussarde, mais ça fait du bien en général. Moi, quand il me le fait, je ne fais rien du tout. Ah ouais, j'ai bien senti, là. Ah ouais, mais il fait 60. Plus on avance, plus ça devient facile, je veux dire. Puisqu'on passe des galops où on les met un peu plats, on les baisse, et le coup d'après, on essaye de les remonter, de les mettre plus haut, mais on se sert beaucoup de la gymnastique pour éviter qu'il y ait trop de contraction et trop de résistance. Quoi. Et finalement, au bout d'un moment, au bout de 3, 4, 5, 6 jours, après le deuxième galop, ben, ça commence à être plus facile. Puis les chevaux sont en forme. Marcher dans l'eau, ça c'est un vrai bonheur. Bon, ben ça y est, on arrive pile à la moitié du stage et je suis plutôt un entraîneur très satisfait pour le moment parce que les chevaux vont vraiment bien, les cavaliers aussi, le moral des troupes vraiment au beau fixe. Bon, dans la dernière semaine, il nous reste un galop assez fort encore à faire. J'espère que ça va bien se passer et puis aussi une séance d'obstacles samedi prochain. Vraiment, pour le moment, tout va bien, on est très confiants, j'espère que ça va aller au bout et qu'on va pouvoir... bien affûté, galant de sauvagère, qui a l'air en pleine forme, donc j'espère que tout va tenir jusqu'au bout.